voir chez moi, c'est l'enfance. Quand j'étais enfant, on m'offrait des couleurs et on ne comprenait pas pourquoi je préférais tremper mon pinceau dans l'encrier d'encre noire plutôt que d'utiliser les couleurs qu'on m'offrait pour mon anniversaire notamment. Et ça désolait mon entourage. Il y a 360 siècles, on sait maintenant que c'est 360 siècles, première peinture, les hommes sont descendus dans les endroits les plus obscurs de la Terre, dans les grottes, dans le noir total, dans le noir absolu, pour peindre, et ils ont peint avec du noir. Quand on voit une de mes peintures, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la lumière qui vient du noir. C'est la lumière qui vient du tableau que l'on regarde vers vous qui le regardez. C'est indiscutable. Par conséquent, l'espace du tableau n'est plus sur le mur, ni derrière le mur, comme dans le cas de la perspective, que dans le cas de l'illusion de la profondeur. Une œuvre qui montre l'illusion de la profondeur, mais la profondeur derrière. Et là, c'est le contraire. C'est de la lumière qui vient de la surface du mur vers vous qui le regardez. Par conséquent, l'espace de la peinture est devant. Et vous qui le regardez, vous êtes dans l'espace de la peinture.